Je me nomme Viviane Forêt, je suis une athlète paralympienne. À l'âge de 4 ans, j'écoutais les Olympiques avec mon grand-père. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu la passion. Je me demandais c'était quoi, qu'est-ce qui se passait à la télévision. Il m'a parlé que c'était les Olympiques, puis c'est vraiment là que ça a décliqué la passion du sport. C'est vraiment un mode de vie d'être un athlète de haut niveau. Moi, je peux m'entraîner pendant des 3, 4 heures, 5 heures par jour. C'est vraiment ce que j'aime, c'est... Je le vois pas comme un travail, je le vois pas non plus comme une obligation. C'est pour moi une façon d'être, de devenir plus forte. Faire du sport avec une vision restreinte comme la mienne, c'est pas nécessairement évident. J'ai 4% de vision, ce qui paraît très peu. Mais pour moi, je suis venue au monde de cette, comme ça, donc j'ai aucune idée c'est quoi bien voir. Alors j'ai pas l'impression qu'il manque absolument rien. J'ai l'impression que ma vision est tout à fait correcte et normale. La sensation de descendre des montagnes à des vitesses de 100 et 120 km/h, c'est incroyable. C'est un rush d'adrénaline. Quand on voit pas vraiment bien en avant de soi, c'est pas recommandable. Alors, la façon de faire, c'est tout simple. On utilise un système de communication. J'ai une personne qui skie devant moi, donc je suis cette personne-là. C'est incroyable ce que certains athlètes arrivent à faire, encore plus les Paralympiens. Alors, je vous invite en grand nombre, venez nous voir, venez nous supporter, puis pensez à nous.